Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur Bee Simulator. Nous sommes sur PC, le jeu sort également sur PS4, Xbox One et Switch à partir du 14 novembre prochain. Nous allons vivre la vie d'une petite abeille toute mignonne. Alors attention, ce jeu est très important. Pourquoi ? Parce qu'il est là aussi pour rappeler à quel point une abeille est importante. Et donc pour cela, je pense que les images vont beaucoup plus vous parler que si je faisais un chapitre complet moi-même. Du coup, cinématique. Et après, on commence l'aventure. L'abeille, une petite héroïne dans un monde immense. Les abeilles sont les pollinisatrices les plus importantes. Elles pollinisent près d'une centaine de cultures. De sorte que c'est le travail le plus fructueux au monde. Mais sans elles, ce serait la fin de la vie telle que nous la connaissons. Et les abeilles sont en difficulté. Ces dernières années, le monde entier a perdu des millions de colonies d'abeilles. Outre leurs ennemis naturels comme les ours ou les parasites, les abeilles doivent faire face à de nouveaux dangers. Les pesticides, la malnutrition et les virus affaiblissent nos pollinisatrices naturelles. Découvrez donc l'histoire de l'abeille héroïque. À quel point même une vie minuscule peut compter et initier le changement. Un peu de culture ne fait pas de mal, et oui. Alors en tout cas les amis, si l'aventure vous plaît, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne hein, comme d'habitude, et surtout, mettez un commentaire en me disant ce que vous pensez justement de ce jeu, ce que vous pensez de la situation actuelle par rapport au déclin de l'abeille. Je serais très curieux de lire vos commentaires sur ce sujet qui est quand même assez important. Allez, c'est parti, on commence l'aventure. Bonjour toi. Ma ruche si douillette, je suis enfin arrivée. Oh, une petite nouvelle. Bonjour ma chérie, comment t'appelles-tu? Bonjour ma chérie, eh ben écoute, je m'appelle Galaxet. Non, je pense que je vais écrire Galax tout court, hein, comme d'hab. Eh franchement, le jeu il donne tellement le smile, j'adore l'ambiance. Génial! Tout d'abord, commençons par t'apprendre à voler comme une abeille. Vas-y, fais bouger ses ailes. Alors, bah je veux bien. Déplacement avant, donc stick arrière avant, gauche-droite. Au bas, donc avec les gâchettes. Très bien, bon, ça n'a pas l'air sorcier. Oula, c'est sensible. D'accord, je peux reculer comme ça, je me déplace. Ouais, putain, c'est fluide, la vache. Très agréable, vraiment. On monte avec RT, on descend avec la gâchette LT. Waouh, c'était pas mal. Maintenant, va à la salle de construction. Suis les marqueurs dorés. Ils indiquent toujours le chemin. Par contre, effectivement, c'est un petit peu... D'accord, fallait attendre. Marqueurs dorés, suis les marqueurs dorés, ils indiquent toujours le chemin. C'est un peu sensible, hein, faut s'y faire un petit peu. Eh, mais c'est super joli. Sans déconner. C'est très beau. Tout mignon. Nous avons un endroit spécial où tu peux apprendre à être une abeille. Il suffit de voler à travers cette fissure. Quelle fissure? D'accord, faut suivre le marqueur doré. Hein.
temps de chargement, que j'espère court. Ah ouais, très court. Alors pour info, je vous l'ai pas dit, mais nous allons évoluer dans une zone, alors pas ici, hein, il me semble pas, mais quand on va sortir un petit peu, on évoluera dans une zone fictive, mais qui est vraiment inspirée de Central Park. Ah, il y a quelques secousses avec la caméra, c'est un peu chelou. T'as vu, elle va à droite, un peu à gauche. En tout cas, je suis dedans, hein. Je le trouve très joli le jeu. Alors c'est un jeu très ludique aussi, hein. C'est pas un jeu, tu vois, de guerre comme un Call of Duty ou faut tryhard, non, c'est vraiment un jeu ludique pour toute la famille. Et qui peut convenir totalement aux enfants. Bon, pour être une vraie abeille, tu dois apprendre à récolter le pollen. Alors, récolter du pollen. Vole parmi les fleurs avec les sphères dorées pour récolter du pollen. Quand le pot de miel situé en bas à gauche est plein, tu dois déposer ton pollen à la ruche. Récolter 20 unités de pollen sur des fleurs. Eh ben allez, on a l'impression que c'est un Forza, c'est que c'est un jeu de course qu'on passe entre les checkpoints. Alors que pas du tout. Ok, tu as débloqué hérissé dans le glossaire. Apparemment, on débloque des trucs. Oula, mais pour l'instant, on est loin d'avoir le pot rempli, hein. Ah ouais, ça va prendre son temps, hein. 6 sur 20, putain, je suis bête. On a les... On a une petite indication de ce qu'il faut. Bon, pour le coup, c'est très simple. C'est un jeu très chill, hein, vraiment. Super ambiance, happy. Moi, j'adore ce style de jeu, tu vois. J'adore ça et je trouve que c'est effectivement ultra ludique. Rien que la cinématique d'intro, tu vois, elle est super importante. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'autres pollen, si. Où c'est que tu en vois, après? Ah, là-bas. Et il me semble qu'on va en manquer, hein. Ah, il y en a plus haut. D'accord. Hop. Par là-bas aussi. Il m'en manque plus que 5. Après, on pourra tout déposer. Waouh. Par contre, elle manque peut-être un peu de vitesse, non? Est-ce qu'on peut faire un sprint? Je me demande. Ce serait pas trop mal. 19 sur 20. J'ai jamais eu une note pareille. Ok. Suis le marqueur doré et reçois une nouvelle tâche auprès d'Alice. Très bien. C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, hein, parce que... Waouh. T'as vu ça, quoi, comme c'est beau? Le monde est rempli de fleurs diverses que notre vue nous présente dans des couleurs différentes. Les fleurs ordinaires sont blanches, les spéciales sont vertes, les rares sont jaunes et les mythiques sont rouges. Et parfois, tu peux trouver une fleur violette légendaire. Maintenant, peux-tu me trouver 4 fleurs mythiques? Bien sûr. Allez. Donc violet, c'est légendaire. Et rouge, du coup, c'est ce qu'on... Les rouges mythiques et les violettes légendaires. Elle veut des rouges. Eh bien d'accord. Donc pour activer ça, c'est le stick droit. Ah oui. D'accord. Ah bah des rouges, il y en a partout. C'est parfait. Il en faut que 4. Un filtre, là-bas, il y en a aussi là-haut. Très bien, ça va être vite fait. Ok. Je vais récupérer celle-ci et celle qui est en dessous, et comme ça au moins le tour... Eh ben non, plus qu'une, je suis bête. Oula, j'ai failli me prendre de rebord. Et là maintenant, on retourne voir Alice. Super boulot, petite sœur. Maintenant, tu as plein de rapido. Nous utilisons le rapido comme bonus pour voler plus vite. Ah, voilà, bah justement. Ah bah voilà, justement, je parlais de sprint. Ah bah c'est le rapido. Le rapido est ton boost de vitesse d'abeille spéciale. Indicateur en forme de flèche, en bas à gauche indique ton énergie rapido. Remplis-le en récoltant à la suite du pollen sur plusieurs fleurs d'un type identique ou en mangeant des aliments sucrés dans le parc entier. Rapido. Ok, alors voyons voir. Ah oui. Ah, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ah bah très bien. Ah oui, bah voilà, je préfère. Ah, c'est cool. Waouh, quelle vitesse! Ok, une dernière chose. Une bonne abeille sait comment déposer le pollen récolté. Allez, essaye! D'accord, c'est bon, on a le time. On va le déposer ici. Alors, tu lâcheras automatiquement du pollen lorsque tu approches du mur hexagonal. Tu ne pourras pas collecter de pollen tant que ton pot de miel sera plein. D'accord. Voilà, on a juste à le toucher. Super. Impeccable.
suit le marqueur doré et reçoit une nouvelle tâche. Fantastique! Tu es prête maintenant. Suis le tunnel pour retourner à la ruche. Eh ben allez, on y retourne. Logiquement, c'est par là-bas, hein. Le marqueur doré. Est-ce que tu vois un marqueur doré? Eh ben, je me trompe pas de direction, en plus. Je suis perdu dans un verre d'eau. C'est vraiment terrible. Alors, on va par là-bas. Et après, il me semble qu'on pourra... Parce que j'ai vu des images du jeu. Et je pense qu'on sortira beaucoup plus en extérieur. Une sorte de Central Park, vraiment. Il y aura même des humains. Il y a des combats aussi dans le jeu. Apparemment, on peut affronter des guêpes, etc. Alors, rencontre la reine des abeilles. Oh là! Je connais tous les rudiments. Je suis prête à accomplir mes nouvelles tâches. Eh bien, tu dois avoir hâte de te mettre au travail. J'ai hâte, oui. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Il y a beaucoup de fonctions différentes dans la ruche. Éclaireuse, garde, nourrice. Mais la plupart d'entre nous sont des abeilles à miel, comme moi. Waouh! Je peux choisir ma fonction? Mais non, ma petite. C'est la reine qui décide. Tu dois aller la voir. Eh, c'est marrant, mine de rien, parce qu'il l'appelle gentille abeille Alice. Non, parce que... Y a des méchants, alors? Ça fait peur, hein? Ah oui. Waouh! Regarde-moi ça. Oh, salut! Salut! C'est trop mignon! Ah, je pense que c'est la reine. Elle est plus grosse. Arrête, ne bouge pas. Pourquoi approches-tu de notre reine? Silence, mes gardes. Que mon tout dernier enfant s'approche. Eh bien, ma petite, tu es une abeille à miel maintenant. Va dans le monde, récolte du pollen pour la ruche. Eh ben, allons-y, rejoindre l'extérieur. C'est... Franchement, il y a une bonne immersion en plus. C'est vachement bien. Puis regardez-moi la ruche. Hey, ça bosse d'art, dur. Ça bosse d'art. Dardard, ouais. Le jeu de mots. J'adore ce jeu. Allez, on va partir explorer le monde. Et là, on va pouvoir sortir dans le Central Park fictif, justement. Qui, à mon avis, va être gigantesque. Regarde-moi ça. Oh là là. Bienvenue à New York. Quel trafic! Je dois faire plus attention. Très bien. Allons chercher du pollen. Allons-y. Alors, 0 sur 25. Oh, c'est chronométré! C'est une sorte de course. Très bien. C'est Forza Abeille. Oh, génial. Attends, il me semble qu'on peut du coup accélérer maintenant avec le boost. Voilà. On passe à travers, tu penses? Ouh, à travers les barreaux, GG! Ouais, ça va beaucoup plus vite, là, comme ça, hein. Ok, le prochain est là, il m'en manque 5 encore, est-ce qu'on va réussir? J'ose espérer. 24 sur 25. Et 25, voilà. Maintenant, il faut récupérer les fleurs rares. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Utiliser la vue d'abeille. Récupérer 4 fleurs rares jaunes. Très bien, j'en ai une première par ici. Ensuite, du jaune, s'il te plaît. J'ai bien envie de sucer ton muffin. Jaune, ça par exemple. Il me manque encore? Ouais, il m'en faut encore 2. Celle-ci, par exemple. Ou encore celle-là. Oh, il y a une abeille là-bas. Et elle n'a pas l'air bien.
Je vais voir si je peux l'aider. Bonjour, tu vas bien? As-tu besoin d'aide pour retourner à la ruche? Quoi? Je me sens pas trop bien. Tout tourne. Mais laisse-moi tranquille. Ils se sont fait plaisir sur la VF. Ah, c'est génial. Laisse-moi tranquille. Suis le travail, essaie de ne pas manquer. Aucun nano coloré en cours de route. Reste à l'affût des obstacles et des bonus. Attends. Bah attends-moi. Ok. Bon, pareil, hein, c'est un jeu de course. Accélération. Apparemment, je peux pas prendre de boost. Reviens par ici. T'as vu? Abeille malade, Jackie, donc ils ont à chaque fois un adjectif. À mon avis, il faut éviter la toile d'araignée, non? On peut peut-être se faire coincer. Mais reviens! Reste avec moi! Oui, du vent. Ah, oh, génial, la physique. Un peu de musique. Et les gens qui s'amusent. Alors, attention, ça reste un petit jeu, hein, mais vraiment, c'est... C'est plutôt stylé, je trouve. Waouh. La musique donne le smile depuis le début du jeu, c'est incroyable. Si vous êtes en dépression, faut jouer à ce jeu. Je vous le dis. Voilà. C'est un antidépresseur à lui tout seul. Bon, attention, il y a une bourrasque. Ouh. Reviens par ici. J'arrive pas à la rattraper, n'empêche. Attends, comment on va faire pour la récupérer? Je me demande. Ah, pourtant, je fais tout pour, hein. C'est pas évident. Ah, ça y est. Un petit pique-nique. Petite fouineuse. Tu vas payer pour avoir troublé mon repas. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Mais c'est exactement ce que j'aurais dit. Attaque et défends-toi en choisissant la bonne direction avec la touche d'attaque ou de blocage. Lorsque l'occasion se présente, utilise des manœuvres et des attaques de blocage spéciales. Indicateur jaune indique quand tu peux effectuer une attaque ou une esquive spéciale. Donc d'accord, on dirige avec le stick, attaque avec Y, bloquer avec X, attaque spéciale avec RT et esquive spéciale avec LT. Oula, falloir s'habituer un petit peu au niveau des combats. Alors pour info, on est en mode difficile en plus, hein. J'ai pas choisi le mode facile côté difficulté. Alors, on bloque comme ceci, on attaque avec Y, ils ont dit. Hein. Oh, nice! Ouais. Je l'ai contré. D'accord, on bloque comme ça. Oh, mais c'est. Oula! Faut être rapide quand même. Voilà, bloc, le contre. Joli. Le contre à chaque fois, je sais pas si ça a marché. Attention. Ah, mais d'accord, c'est vrai qu'on a l'esquive spéciale. Attention par en dessous! J'ai flippé. Vas-y, viens par là. Attaque-moi. Ouf. En dessous. Ça se joue vraiment avec les sticks, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment bien pensé en plus, hein. Là, j'ai mon attaque spéciale. Oh. Magnifique. Oh lolololo. Mes aïeux. Victoire. Ce qu'on lui a mis. Franchement, le système de combat, il est pas dégueu. Sans déconner. J'en ai assez. Mais attends un peu. Tu peux sortir maintenant en toute sécurité. Tu peux rentrer chez toi. Je me souviens maintenant. J'ai mangé un morceau de pomme pourrie. Elle avait vraiment un drôle de goût. Oh, je suis très malade. Ne t'inquiète pas, elles vont t'aider à retourner à la ruche. Après tout, nous sommes une famille. Merci. D'où le nom de la mission. Aliments sucrés, les humains laissent toujours traîner de la nourriture. Oh, et je ne parle même pas des fruits. Tu peux obtenir de l'énergie rapido en les grignotant. Trouve des encas comestibles à l'aide de la vue d'abeille. Pour déguster une friandise, pousse-toi dessus en utilisant le déplacement vertical. LT
et Arte. D'accord. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Il est temps de rentrer. J'ai carrément bien travaillé. Alors attends, par exemple, est-ce qu'on peut se butiner une sucette ou un truc comme ça? Ah oui, il y a des trucs qui brillent, je pense. Attends, je vais essayer celle-là, par exemple, ici. Ah mais non, mais j'ai la vie entièrement, là. J'en ai pas besoin, du coup. J'ai pas été touché par l'abeille. Bon, le combat fut expéditif, hein, quand même. Hein. Mais c'était génial, franchement. Le système de combat est plutôt bien foutu, plutôt bien pensé. Ça fait penser un petit peu à Fight Night, pour ceux qui connaissent le jeu de boxe. Allez, on retourne à la ruche. Et regardez-moi ça, ce monde. Magnifique. Vraiment, hein, y a de la vie, ça grouille. C'est génial. Et cette musique. Hein. Oh là, je suis amoureux. Vraiment. Alors, je pense pas que c'est un jeu qui se refait spécialement. Mais en tout cas, c'est une belle expérience ludique. En un run, quoi, je pense. Oh, des humains? Ils ne sont jamais venus aussi près? Que veulent-ils à notre arbre? Ah, je sais pas, mais je vois une tronçonneuse, hein. Retour à la ruche, si tu veux rentrer à la ruche, suis son symbole sur la boussole. Ils vont couper mon arbre! Bande de saligots, je vais te piquer! Je vais te piquer! Je peux pas, apparemment. Oula! Ah, c'est dommage, j'aurais aimé qu'on puisse les embêter un petit peu, ça aurait été drôle. Oula, une araignée! Elle est moche, hein. La vache. Nous sommes de retour. Les humains essaient de détruire notre arbre. Ils se sont retirés pour l'instant, mais ils reviendront bientôt pour s'emparer de notre foyer. N'aie pas peur. À partir de ce jour, toutes les éclaireuses, et seulement elles, doivent rechercher un nouvel endroit pour que nous y vivions. Alors, boussole, tu trouveras toujours la ruche et les symboles d'emplacement de quête. Sur la boussole, les symboles de défi sont visibles uniquement quand ils sont à proximité. D'accord. Remplis les alvéoles de pollen. Très bien. Alors là, on n'est pas à 100%. Hein. Mais au travail. On peut quand même il apporter ce qu'on a récupéré. Plus de pollen mythique pour l'hiver. Du pollen mythique. Très bien. Mais le pollen mythique est difficile à trouver. Il est peut-être temps de visiter notre bibliothèque. Alors, je suis pas très bouquin à la base, mais ça peut être intéressant. Allons-y. On peut accélérer, non? Ah, je peux pas quand je suis dans la ruche. D'accord, on peut peut-être que quand nous sommes dans le parc. Très bien. Par contre, j'ai pas envie qu'on me fasse affronter des araignées, moi. Ah non. Prouesse, tu trouveras tes prouesses dans le menu de jeu et la bibliothèque de la ruche. Les prouesses terminées et en cours te donnent des points de connaissance. D'accord. Cherche des indices pour trouver du pollen rare. C'est par ici. Apparemment. Oui, il y a beaucoup d'endroits avec du bon pollen. Je devrais aller à l'extérieur pour les explorer. Eh oui! On repart à la chasse, au pollen à l'extérieur. Dans Central Park. Et je ne peux toujours pas accélérer, j'ai le seum. Hey, je t'ai vu à la bibliothèque. Viens, que je te dise quelque chose. Vieille abeille, j'aime. Tu cherchais du pollen mythique, n'est-ce pas? Tu devrais essayer le zoo. Il y a une gentille dame là-bas, avec des fleurs incroyables. Je vais danser pour te montrer comment y aller. Danser, c'est-à-dire... répète correctement tous les mouvements. Oula! Allez, tu devras te souvenir de plusieurs mouvements à chaque fois. Ah, c'est cool. Montre-moi. D'accord, en bas, en bas, en bas. C'est ça qu'il faut que je fasse? Ah oui, je pense que c'est ça. Ah non, excuse-moi, c'est en haut.
Ba-ba-o. Ba-ba-o. Droite-gauche-o-o. Droite. Non ? Ba-ba-o. Ah, mais je pense que... Ouais. Faut reproduire du même côté, je me suis trompé. Je rejoins le zoo tout de suite. Que le pollen soit avec toi. Ouais, je pense qu'à un moment, je suis allé, tu vois, de l'autre côté, ou d'aller à gauche ou aller à droite, style. Défi, gagne des points de connaissance en réussissant des défis. La couleur de leur marqueur indique leur type. Bleu, course. Bleu, c'est la course. Rose, danse. Rouge, combat. Orange, pique la brute. Ça, pour l'instant, on n'a pas essayé. Hein. Vert, récolter du pollen. Très bien. Va au zoo. Ah ouais, là, par exemple, t'as un défi, regarde. T'as un défi rouge. On va essayer. Effectuer le défi de combat. Oui, bien sûr. Eh, l'abeille, c'est la propriété privée des guêpes ici. Aux dernières nouvelles, le parc appartient à tout le monde. Oh, vraiment ? On va voir ça. Prépare-toi au combat, je suis prêt. Alors, en tout cas, le premier combat était plutôt simple, hein. Ok, le contre, direct. Je bloque. Ou en dessous. Heureusement, ça a été manqué. Là, elle s'est protégée. Ça a l'air un peu plus fort, effectivement, que le premier combat, mais pas non plus. Pas non plus impossible. Ah non, j'avais le super truc de. Je me fais toucher, par contre, là. Ok, c'est plus rapide. Allez. Vas-y. Nice. Là-haut, c'est manqué, cocotte. Par en dessous. Par au-dessus. Oh là là. Super attaque, est-ce que t'es prêt? Oh, elle m'a esquivé. Méchante. En dessous. Et voilà, victoire. Non, c'est excellent. Ah, le combat au stick, c'est excellent. Trajectoire. Tu m'as eu. Mais les guêpes reviendront. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Ah, j'adore. Pourrait être mise à jour. Apparemment, une assist, non? Des combats contre les guêpes. J'en sais rien. Bon, en tout cas, on va retrouver la... Le zoo pour la mission Dame aux fleurs. Et là, on peut accélérer par contre, hein, vu que nous sommes à l'extérieur. On peut en profiter. Et on va aller visiter ce zoo. Salut, mon petit. Alors. Oh, les poules. Glossaire. Vous trouverez des informations sur les animaux et les plantes dans le glossaire. De nouvelles entrées sont ajoutées à chaque fois que tu rencontres un nouvel élément. Bleh, des poules. Des créatures horribles et effrayantes. Elles pondent des œufs comme nous. Mais leurs larves ne mangent pas de miel. Elles mangent des abeilles. Eh oui, mais c'est le cycle de la vie. Oh mon dieu, j'ai touché la poule. Elle va me bouffer. Ok. Faut aller où? Là-bas. Ah, faut juste visiter, quoi. Les défis, on s'en fiche. Pour l'instant, en tout cas. Même si ce sera peut-être intéressant de les faire. Ça, c'est varié, mine de rien, le défi de combat, de la course après et tout. Non, c'est bien. Alors. Oula, et maintenant? Ça, ce sont de gros animaux. Effectivement, si les rhinos. La vieille abeille a raison, je ne dois plus être très loin. Ok. J'étais perdu, moi je regarde tout autour. Je me dis, mais je vois rien en fait, qu'est-ce qui se passe? Faut aller où? Putain, le nombre de pollen qu'on peut récupérer, c'est dingue. Quel endroit magnifique! Tant d'animaux et d'humains. Mais je dois me concentrer et trouver la dame aux fleurs. Bon, elle est où cette dame aux fleurs? La dame aux fleurs a toujours des fleurs légendaires dans son panier, essaie de la trouver. Elle ressemble à ça. Ok. Je détecte des fleurs très rares. Mmh. La dame aux fleurs doit être tout près. Ah, je la vois. C'est bon, je l'ai en visu. Ah, c'est vrai, je peux plus accélérer. Ces arbres. Ok, alors attention, faut pas se faire choper, hein, mode infiltration. Ah, elle se retourne. C'est vicieux. C'est tellement vicieux. Par ici, toi. Effectivement, c'est du rouge. Arrête de tourner. Donne-moi ça. Merci beaucoup. Faut faire l'avant aussi. D'accord. Allez, tu
tu ne vois rien, ne panique pas, je ne suis qu'une gentille abeille. Je me suis mangé le panier. Oui, c'est du bon pollen. Mais il m'en faut davantage. Il y a d'autres abeilles dans le coin. Elles pourront peut-être m'indiquer la bonne direction. Bonjour, connais-tu des fleurs rares par ici? Bien sûr, tu veux faire la course? Si tu m'attrapes, je te dirai tout à propos des fleurs. Alors, attrape l'autre abeille, essaie de ne pas manquer, de ne manquer aucun anneau coloré. En cours de route, reste à l'affût des obstacles et des bonus. Très bien. 22 cm. Oh, c'est costaud quand même. Allez, on y va. Et là, je ne peux pas utiliser le boost. Ouah, fallait aller en dessous. Ok. Ouah, c'est ouf. Je suis où? Ah zut alors. Ah mais attends, il y a des bonus. Ouah. Je m'attendais pas à ça, sérieux. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça c'est pour te faire aller moins vite, non? Les trucs rouges. Je crois bien hein. Ouah, en dessous. Alors, on est gêné un petit peu par... Putain mais... Ah ouais, elle est partie super loin. C'est quoi ça? Ah ouais, ça descend ta vitesse, effectivement. C'est exactement ce que je pensais. Eh, je suis à 1200 cm. Je l'ai perdu. Eh, franchement, j'étais pas prêt du tout. Ça va être tendu. Allez, on y va. On va la poursuivre. Et on va l'attraper. Par contre, je t'avoue que... Ah ouais. C'est incroyable dans le trou, là. Je m'attendais pas à un tunnel comme ça avec... C'est quand même assez sensible hein, pour diriger la petite. Alors là, faut éviter sûrement les essaims parce que ça nous ralentit. On risque pas de la rattraper comme ça. Là, on a des bonus intéressants pour gagner en vitesse, je suppose. En dessous aussi, ça nous ralentit. On a du vent. Ok, en bas. Oh là là. On va pas prendre de bonus rouge, hein, je suppose. Là, esquiver les essaims. Ça paraît logique. On a une sorte de petite propulsion là avec le vent. Intéressant. Attention. Ouais, on esquive correctement. Là. On va avoir un petit bonus. Pas prendre de mauvais. Le vent qui mène à droite. Pour l'instant, ça se passe bien. N'est-ce pas? Je pense que ça va. Alors, est-ce qu'il faut tenir plusieurs tours pour la récupérer? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'on peut la voir facilement. De Dieu. C'est ouf quand même. Mais reviens! Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Ah, j'ai pris les deux. Ça m'a ralenti. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est super dur. Mais pensez au gosse, bordel! Pensez à moi! Je sais pas, c'est pas normal d'avoir une difficulté pareille sur un jeu comme ça. Alors, je vous prends juste 3 secondes après la vidéo. En fait, c'est juste qu'on pouvait utiliser le turbo, le boost. Et j'avais oublié, carrément. Mais en fait, c'est pas compliqué du tout, hein. C'est moi, pendant la vidéo, j'y ai pas pensé. Bon, on va compter sur l'endurance. Donc, je me répète. On compte sur ça. Allez, faut rien louper, hein. Faut rien louper. Ah, là, j'ai ralenti. Let's go, let's go, let's go. Ah oui, je l'ai eu! Bien joué, tu m'as attrapé! Il y a vraiment des fleurs mythiques dans la zone tropicale. Merci! Bonne chance, et écoute! Il y a beaucoup d'abeilles rapides dans le parc. Si t'es prête à relever des défis, elles sont heureuses de faire la course avec toi. Ah ouais, mais si c'est pour avoir des poursuites comme ça, merci, mais non merci, hein! Oh là là! Eh ben écoutez, vous savez quoi, sur ce, on va s'arrêter sur ce défi quand même assez relevé, assez costaud. Hein. On continuera la mission Dame aux fleurs la prochaine fois, direction la zone tropicale. On découvrira encore d'autres endroits. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Franchement, je me suis bien amusé, c'est quand même très joli. Alors attention, très joli pour un petit jeu, je le précise encore une fois, c'est très coloré et je pense que beaucoup d'entre vous vont passer un agréable moment. Franchement, c'est ultra chill, ça fait plaisir ce genre de jeu également. Merci à tous, le petit pouce bleu.
bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de cette mini-série. Je pense qu'il y aura 2 à 3 vidéos maxi sur le jeu. À mon avis, il sera vite terminé. Après, peut-être qu'on aura une surprise. On verra bien. Merci à tous, portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.